I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, je ne suis absolument pas coiffée, je ne ressemble à rien. Mais c'est juste pour vous faire la petite intro, parce que je me suis rendu compte que j'avais carrément oublié de vous faire l'intro de cette vidéo. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est un haul Joom. Il sera en plusieurs parties parce que j'ai reçu les articles au compte-gouttes. Voilà, je n'arrive pas à trouver mes mots, il est 2h du matin. J'ai un peu du mal. Donc all Joom, vous n'aurez pas les liens en barre de description, mais n'hésitez pas à me suivre sur Joom, et si vous voulez, ou là où vous aurez tous les liens sur mon fil, et si vous voulez des liens en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous enverrai les liens, je vais tomber, hop là, des différents produits. Donc voilà, bah, je vous laisse tout simplement avec ce all Joom et je vous souhaite un très très beau visionnage. Sans transition aucune, j'ai reçu trois petits colis. Alors, dans un premier temps, j'ai... Oh, ah non, autant pour moi. J'ai reçu un puzzle dit Montessori, tu m'as compris. Montessori, tu m'as compris. Il manque une petite pièce, super. Je vais la chercher, j'arrive. Hey, ça y est, j'ai trouvé. Alors, je vous assemble ça. Je sais, vous ne voyez rien et c'est très très chiant ce genre de vidéo. Mais voilà, c'est un petit puzzle en fait qui se présente comme ceci. Donc c'est un objet en bois comme ceci. À l'endroit, c'est mieux. Ok, avec un petit, des petits éléphants. Il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris les éléphants tout simplement parce qu'il y avait plein de couleurs différentes. Et en fait, c'est un puzzle, c'est-à-dire que, voilà. Hop. Hop. Hop là. Et hop là, vous avez compris le système et franchement je trouve ça top. J'ai donné à la petite, sitôt pris, sitôt adopté. Les pièces sont vraiment d'une très très bonne qualité. Et d'ailleurs là, vous voyez la petite oreille du petit éléphant. Et en fait l'oreille du petit éléphant, et ben ici, c'est, comment dire, vous entendez? En fait c'est taillé. Hop, je sais pas si vous verrez là, mais en fait... C'est taillé, c'est... comment dire, bah, c'est gravé, quoi. C'est pas un petit coup de stylo ni quoi que ce soit. Et au niveau du petit trou de l'œil de l'éléphant, c'est pareil, c'est un trou qui a été fait, voilà, directement dans le bois. Et ça, je vous dis, c'est gravé. Enfin, vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis super contente de la qualité de ce puzzle. Et je vous l'ai dit, la petite a kiffé. Et pour le mettre, voilà, c'est tout simple, hein. C'est comme un espèce de petit truc gigogne. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de modèles différents. Mais après, l'éléphant, c'était celui où il y avait le plus de couleurs. Voilà, je trouvais que pour l'initier au puzzle et tout, c'était bien qu'elle avait plusieurs couleurs. Et après, il se présente comme ça, tout plat, tout plat. C'est juste dommage, une fois de plus, qu'ils aient pas mis un petit socle pour pouvoir éviter de faire tomber les pièces. Ensuite, je me suis commandé un chargeur... Non, n'importe quoi. Un disque dur externe que j'ai reçu dans cette petite boîte-là. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un disque dur. Alors, pour les... Comment dire? Pour les capacités et tout ça, ce genre de choses, je ne m'y connais absolument pas. Donc, je vous laisse les petites références comme ceci. Hop là. Et c'est un disque dur, ce qui fait 1 Tera. Alors, bien sûr... Comme tous les disques durs, à chaque fois qu'ils ont dit qu'ils vont faire 1 Tera ou 100 gigas, ça fait pas exactement la même taille parce qu'il y a le système à l'intérieur. Je vous ai plus ni quoi ni qu'est-ce, mais j'ai une capacité encore de 880 gigas ou ce genre de choses. Donc s'il se présente comme ceci, c'est un disque dur, tout ce qu'il y a de plus simple, était fourni avec, parce qu'en fait c'est pas, c'est un port USB, voilà tout simplement. Hop là, petit port USB. Donc du coup, la sortie était USB vers USB. Et je crois, si je dis basse bêtise, voilà, c'est USB 3. Je sais pas ce que c'est USB 3, mais sur mon ordinateur, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Quand vous le branchez, vous avez une petite diode juste là qui va clignoter bleu pour vous dire, voilà, que, tout simplement, que votre disque dur est chargé et prêt à fonctionner. Il est assez léger, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau de la rapidité d'exécution, j'ai pas trouvé qu'il était mieux que les deux autres que j'ai, ni moins bien. Je peux rien vous dire de plus, je peux juste vous dire qu'il fonctionne très très bien. J'ai déjà transféré pas mal de données dessus, notamment une vidéo qui était assez longue et il n'y a eu aucun souci. Il a très bien fonctionné, donc voilà, je suis plutôt très contente de la qualité de ce disque dur-là pour le moment. Et ensuite, dernier article que j'ai reçu pour le moment, j'ai reçu ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ton petit baluchon? Je vous avouerai que je ne sais pas pourquoi je l'ai pris.
Mais en fait, donc c'est un baluchon, il rentre comme ça. Franchement, il est super joli. J'aime beaucoup la couleur, ça me rappelle la petite tente que j'avais achetée pour la petite choupette chez Action. Donc, ok, rien ne se perd, tout se transforme, Lavoisier. Vous gardez, il n'y a rien, tout reste attaché. Et en fait, ceci, c'est quelque chose que vous allez mettre. Je vais vous mettre une photo juste là. Parce que vous voyez, c'est un truc que vous allez mettre sur le caddie, tout simplement, pour éviter que votre bébé ait un petit peu plus d'hygiène, on va dire. Donc voilà comment ça se présente. C'est pas mal parce que là, vous avez l'explication, hop, du comment que ça se passe, comment tu mets ton marmot. Ok, la qualité est franchement ouf. Enfin, très, 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 très bonne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Ça ne sent absolument pas mauvais. C'est un truc de malade. Les doublures, franchement, le tissu est super résistant. Il y a plusieurs doublures à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils nous disent, mais voilà, vous avez compris le système. Vous avez également, donc du coup, je pense que ça se met dans ce sens-là. Ok. Vous avez ici une petite pochette. Hop, pour pouvoir mettre, pourquoi pas, le biberon de bébé ou ce genre de choses. Hop, qui se ferme avec une fermeture éclair et ça se ferme très très bien. Ça glisse très bien. Rien à dire. Vous avez là des petites attaches. Ok. Pour attacher je ne sais quoi. Et vous avez ici une petite poche transparente. Pourquoi pas pour mettre la liste de courses ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, du coup, vous le mettez, hop, juste devant. Voilà, juste comme ça, les petits pieds, nanana. Et derrière, vous avez un petit système, tout simplement pour pouvoir accrocher le ventre de votre petit. Pour pas qu'il qu'il puisse se barrer, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, en fait. Imaginons que là, c'est l'avant du caddie. Et toi, t'es en train de me pousser. Du coup, votre bébé, il va être comme ça, tout simplement. Et vous aurez la petite pochette là, devant vous, devant vos yeux. La petite pochette là, pour pouvoir mettre des biberons, ce genre de choses, juste devant. Là, vous mettez le cul de votre bébé. Et en avant, guingamp, c'est parti, on y va, on va faire les courses maman. Et ensuite, pour tout fermer, tout remplir. Ah non ! Non, 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 très très bien. En fait, vous mettez le ventre, mais vous attachez aussi les deux petites épaules. Donc ça, c'est pas mal. Et vous ajustez. Hop. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez? Hop. Donc ça, c'est nickel chrome. Et après, quand vous avez fini tout ça, vous rentrez tout ça dans le baluchon. Hop, on a fini les courses. On a fini tout ça. Hop. Après, je pense que ce genre de choses, il faut quand même avoir une assez bonne hygiène. Et bien le laver, quand vous avez pas tout le temps, forcément, quand vous avez fini de faire vos courses, mais de temps en temps, le laver. Parce que c'est bien d'avoir un truc pour que ce soit un peu plus hygiénique. Mais si vous ne le lavez pas, ça sert un peu à rien. Donc ok, bon, faut le fermer correctement parce que c'est dommage qu'ils n'aient pas mis une fermeture éclair parce que du coup, hop, vous voyez, ça s'ouvre. Mais après, c'est pas grave et voilà la place que ça prend. Donc je trouve ça plutôt pas mal et le motif, je le trouve vraiment, vraiment très 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 joli. Voilà! Coucou, une petite séquence pour vous montrer un entourage de lit, je me souviens plus comment ça s'appelle, que j'ai reçu aujourd'hui, donc avant de la mettre à laver, je voulais vous la montrer. Hop, donc je l'ai reçu comme ceci, dans un sachet, bien sûr, faut pas déconner. Et étrangement, j'ai commandé donc sur Joom, bien sûr, et c'est venu du 95 de Gonesse. Donc, truc de ouf, je pensais pas qu'en commandant sur Joom, je pensais que c'était exclusivement des choses en provenance de Chine, mais bon, c'est pas grave, enfin, tant mieux pour nous. Donc, pour information, chaque carré fait 30 sur 30. Comment ça s'appelle ce truc? Oh, je me souviens, un tour de lit, voilà, un tour de lit. Et en fait, vous devez assembler chaque carré, enfin, vous voyez, c'est pas attaché. Donc, moi, j'ai pris, il y avait plein de modèles différents, j'ai pris petit ourson. Donc ça, c'est pour le petit bébé. Après, c'est pas, après, il y a des avis hein, sur les tours de lit, les vrais, les complets. Hein. Bon, la petite, elle a toujours eu un tour de lit, je trouve que c'est joli, ça fait une petite décoration. Donc, le deuxième petit ours, il est comme ça. Hop, vous voyez les deux. Et ensuite, vous avez deux coussins comme ça. Toc. Et deux coussins comme ça. Donc après, vous les assemblez comme vous voulez. Moi, je pense que je vais mettre les deux oursons près de la tête. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Mais voilà, en tout cas, la qualité est super bonne. Aucun souci là-dessus, pas le fil qui dépasse. Rien du tout, c'est nickel chrome. Donc du coup, je vais laver ça. Et c'était fourni avec une petite pochette. Donc je vais laver ça. Et puis voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Il y a d'autres choses qui arriveront bientôt. Et je vous retrouve plus tard avec la piute de plus tard.
On se retrouve pour la suite et la fin de ce Big Haul Joom. Désolée, je ressemble à rien, je suis pas coiffée du tout. Alors c'est parti, j'ai reçu ce citron comme ceci, mais vous l'avez vu, je l'ai reçu un peu beaucoup cabossé. Donc du coup, j'ai fait un litige et ils m'ont remboursé. Donc en fait, pour faire un litige, c'est très simple. Vous suivez les trucs et puis ils vous remboursent sous 15 jours. Mais moi en général, ils me remboursent le jour même. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais citron, tout écrasé. Ensuite, j'ai commandé ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un petit dispositif pour mettre soit vos cotons-tiges, soit vos cure-dents. Voilà, je trouve ça plutôt mignon, un petit sapin. Il y avait d'autres couleurs différentes au niveau du petit bol, là, on va dire. Moi, j'ai préféré blanc, mais je crois qu'il y avait des crèmes ou ce genre de choses. Et je le trouve plutôt mignon. Et franchement, il est de très bonne qualité. Donc moi, je vais mettre mes petits cotons-tiges dedans. Et franchement, je trouve ça vraiment choupi. Choupinou. Ensuite, j'ai commandé ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ton truc? Alors, ça se présente comme ceci. Et en fait, c'est tout simplement pour tirer votre lait. Mais quand vous donnez votre lait, souvent, vous avez tendance à fuir, on va dire, du deuxième mamelon. Donc, du coup, quand vous donnez la tétée, vous mettez ça juste là. Et ça récupère le lait qui s'écoule naturellement et tout simplement. C'est gradué, vous avez jusqu'à 90 ml, mais je pense pas qu'on fuit 90 ml. Après, ça dépend de chaque femme. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous arrive de fuir autant. Et je trouve ça plutôt pas mal. Après, du coup, vous pouvez récupérer le lait et l'utiliser pour donner à bébé. Donc voilà, il se présente comme ça. Et en fait, il y a plein de petits motifs. Voilà, je pense que vous verrez, hop, les petits détails. Et même au niveau de la graduation et tout, c'est super joli. Donc voilà, très bonne qualité, et ce tube là sur Amazon ça vaut très cher maintenant, sachant que sur Amazon il y a des produits qui viennent aussi de Chine. Ensuite j'ai recommandé, je vous avais montré dans mon précédent haul que j'avais reçu cette coque pour téléphone, enfin pas cette coque mais cet écran de protection pour appareil photo, et là il est nickel, il n'y a rien à dire, donc du coup je vous le remontre. L'emballage est très bien, même au niveau de l'emballage que j'ai reçu par la poste, c'est nickel, et à l'intérieur vous avez donc du coup un petit écran de protection et tout ce qu'il faut pour pouvoir bien installer sans faire de bulles, et franchement je suis super contente. Donc la première fois je l'avais reçu, il était cassé, mais c'était la faute à pas de chance. Ensuite j'ai reçu deux petits rouges à lèvres, j'ai commandé deux petits rouges à lèvres, donc ils se présentent comme ceci pour le premier. Voilà la teinte, et franchement la teinte focus, la teinte exactement la même que je vais vous montrer là, donc du coup je vais pas vous faire du swap, vous avez compris, je vais pas vous faire de trucs. Il est très bien, par contre c'est un mat, par contre il est un peu collant, donc c'est ça qui est un peu chiant, mais j'aime beaucoup la couleur, franchement je kiffe, mais c'est dommage qu'il soit un petit peu collant, il tient pas énormément dans la durée non plus. Ensuite j'ai pris celui-là, c'est un petit peu le même mais un petit peu plus rosé on va dire, hop là. Donc celui-là il est super joli un peu, il est un peu plus doux et du coup ce sera nickel pour cet été. Donc je suis super contente de ces deux petits rouges à lèvres et du coup je vous les remonte, je vous montre les deux teintes différentes que j'ai eues. Et franchement je les trouve super jolies. On continue dans le rouge à lèvres, dans la beauté. J'ai pris ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est encore une fois? Donc ça se présente comme une espèce de petite sucette, mais en fait c'est un gloss. Alors comment ça s'ouvre déjà? Ok, ça s'ouvre comme ça au niveau du milieu. Et en fait c'est tout simplement un espèce de petit gloss, un espèce de petit baume à la vie. Il y a plein de couleurs différentes. Je me souviens plus à quoi il est celui-là, mais franchement il sent super bon et je kiffe. Donc voilà, un petit baume à lèvres et franchement il est super mignon, super kawaii. Et j'aime bien, il y a un petit tire kiki là si vous voulez vous le mettre en porte-clés ou je sais pas quoi. Mais franchement trop mignon, j'adore. Ensuite j'ai pris ce petit truc là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça se présente comme ça. C'est un peu chelou tout ce que tu veux, je mets une photo juste là, comme ça vous allez comprendre exactement ce que c'est. Et voilà, vous l'avez vu, c'est tout simplement un truc pour coller sur la cuvette de vos chiottes. Et du coup, quand papa ou quand maman descend ou monte la cuvette des chiottes, et bien vous n'avez pas besoin de vous salir les mains et de toucher la cuvette. Vous mettez juste ça, et puis voilà, tout simplement. Et je trouve ça super bien parce qu'il y a ce truc là, ce petit machin là, où il y a un double face, enfin un truc collant des deux côtés. Et une fois, j'en avais déjà acheté sur AliExpress. Et en fait le truc était pas assez épais, mais là vous voyez il est assez épais, assez mou, du coup il peut bien s'ajuster à votre cuvette de toilette, voilà. Tout simplement, j'ai hâte de tester parce que j'en ai marre de toucher la cuvette, c'est dégueulasse. J'ai pris cet autre truc là, on dirait un bec de canard. Alors en fait ce truc là, c'est, je vous mets aussi une photo parce que c'est dur à expliquer. Vous voyez c'est un truc pour mettre sur votre robinet, du coup quand les enfants et même moi, parce que je suis un peu petite, donc du coup quand je me rince la bouche en prenant directement le robinet, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds, j'ai un peu du mal. Donc du coup ça, il va y avoir l'eau qui va couler juste là, ça va vous faire une petite rallonge d'eau, et donc du coup j'aurais pu à me mettre sur la pointe des pieds pour pouvoir me rincer la bouche. Et la petite chouquette et le petit chouki, et ben ils pourront aussi se laver les mains sans avoir besoin de maman. Bon après faudra un marche-pied aussi quand même, mais bon ça c'est nickel.
Ensuite, j'ai reçu ceci. Et non, ce n'est pas un truc pour faire du bandeau ou tout ce que tu veux, hein. La petite chorale, là, comment ça s'appelait quand on était petite et qu'on faisait du... Oh, je me souviens plus, mais t'as compris, tu vois ce que je... du turban? Oh, je sais plus. Mais bon, j'ai pris cette écharpe de portage et franchement, elle est top parce que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Et voyez, elle est super fine, super fine. Il y a des espèces de petits trous, hop. Et ça, en fait, c'est... Elle est super longue, vous voyez, hop, hop, hop. Hop, donc du coup vous pouvez faire tous les nœuds que vous voulez parce qu'il y a plein de nœuds différents quand vous portez votre bébé en écharpe de portage. Et moi je l'ai pris tout simplement parce qu'elle est très très fine, donc du coup ce sera l'idéal cet été pour porter bébé. Parce que c'est vrai que quand vous portez bébé en écharpe de portage, vous avez très 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 chaud, le bébé a très 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 chaud. Donc du coup j'ai pris un truc très très fin et c'est vendu avec une petite trousse. Enfin une petite pochette comme ceci, du coup vous pouvez ranger l'écharpe de portage. Même si c'est toujours un peu fastidieux à chaque fois que tu ranges les trucs, mais... Voilà, deux temps, trois mouvements, c'est quand même assez fait. Et il y avait plein de couleurs différentes. Il y avait du rose, du jaune, il y avait plein de couleurs différentes. Et moi j'ai pris celle-là. Bon, c'est un peu fastidieux, on fera ça plus tard. Ensuite, je me suis laissée tenter par ce petit sac-là, que je trouvais plutôt mignon. Après, c'est dommage parce qu'il y a des espèces de petites taches. Et moi, je ne voyais pas de cette couleur-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un sac tout ce qu'il y a de plus classique, hein, franchement, comme ceci. Il est vraiment très très simple. Après, là, il a pris un petit coup. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez des espèces de petites taches ici, là. Je sais pas si vous verrez, mais je sais pas si elle s'enlève, je ne pense pas. La contenance est plutôt correcte. Après, il n'y a pas de poche à l'intérieur, c'est vraiment un sac vraiment social plus simple. Et moi, en fait, je l'ai pris pour plus tard, pour mettre la nourriture de mes enfants, en fait. Même s'il n'est pas exotère, je me dis que ce sera pas mal pour les petits pots, ce genre de choses. Les desserts, les goûters, les tout ce que tu veux. Et donc voilà, après au niveau de l'anse, elle n'est pas très 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 grande, elle n'est pas ajustable. Mais voilà, il se présente comme ceci. Le petit sac en espèce de toile. Je pense que vous avez vu la matière que c'était. J'ai ensuite pris ceci. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris ça? Pourquoi t'as pris ça? Parce qu'il me restait plus beaucoup de points et donc du coup je me suis pris ça. Et je me suis dit que ce serait pas mal parce que mon mec est toujours malade. Je sais pas s'il va l'utiliser ou pas, mais pour changer bébé, parce que des fois il me trouve une excuse de ah je peux pas le changer, je suis malade. Vous connaissez les mecs. Et donc je me suis dit que j'allais prendre un petit masque en mode comme les chinois là quand ils sont malades. Alors vous voyez à l'intérieur une espèce de petit revêtement. Franchement je trouve ça top. Devant il est juste comme ça. Et franchement je trouve que c'est plutôt stylé quoi en plus. Hop, ça protège bien la bouche. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un peu glauque, hein, quand même. Mais bon, voilà. J'ai reçu également ce petit truc-là. Et en fait, je pensais qu'il était vachement plus grand. Comme quoi, il faut bien regarder la description. Donc, ça se présente comme ceci. En fait, c'est une espèce d'eau colorée, on va dire ça comme ça. Donc là, tout de suite, vous allez rien voir. Mais quand tu la mets, en fait, du coup, après, t'as les petites lèvres légèrement teintées. Vraiment légèrement. Après, c'est un petit pouvoir hydratant, mais pas énormément. Et c'est constitué en théorie, à 99% d'aloe vera. Et franchement, c'est vraiment tout petit. Tout petit, tout petit. Mais tout ce qui est petit est mignon. Et enfin, le dernier article que j'ai reçu ceci. En fait, je vous avouerai que j'ai acheté vraiment pour le packaging. Enfin, j'ai commandé pour le packaging parce que je trouvais ça trop chouette et j'avais envie de tester. Donc, c'est tout simplement un rouge à lèvres. Alors, quand tu le mets comme ça, c'est un peu compliqué. Au niveau de la couleur, voilà ce que ça donne. Et c'est un peu rose, mais un petit peu un rose rouge flashy, flashy, flashy. Et je trouvais que c'était pas mal, voilà, cette idée. Après, comme je vous l'ai dit, honnêtement, c'est fastidieux à mettre. Mais rien que pour le packaging, je me suis dit, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Après, à voir, est-ce qu'il y aura d'autres marques qui vont se lancer dans ce genre de trucs? Je ne sais pas. Mais voilà. Et par contre, il restera très longtemps. Hein. Là, voilà, j'essaye de l'enlever. Je bave sur ma main. Ça ne part pas, voilà, ça part difficilement. Bon. Après, tu peux toujours continuer de mettre ça avec un espèce de petit pinceau et tout. Mais voilà, je trouve ça plutôt chouette. Et voilà. Cette vidéo, elle est finie. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Il y a une petite chouette qui parle juste à côté. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur Joom pour voir les différents articles et pour avoir les liens directement. Si vous voulez pas me suivre, il n'y a pas de souci. Mais envoyez-moi un message en commentaire si vous voulez que je vous donne le lien de tel ou tel produit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous ferai une joie de vous donner tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément. Et comme je vous l'ai dit, Joom, je trouve que c'est un petit peu une meilleure qualité qu'AliExpress. Après, peut-être que c'est parce qu'ils choisissent leur vendeur, ou alors c'est tout simplement parce que peut-être que moi j'ai de la chance, mais j'aime beaucoup ce site. Et au niveau du délai de livraison, par contre, je trouve ça vachement plus rapide qu'AliExpress. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je sais, j'ai déjà dit. Je suis désolée pour ma tête dégueulasse. On va encore me faire des critiques, mais c'est comme ça que je suis au naturel et avec deux petits enfants au bas âge, c'est pas évident. Et je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine
vidéo. I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what